Oh. Oh, quelle est belle ma petite araignée. Alors, espoir de jeu qui va, qui s'en niveau des difficultés, hein, qui nous pose trop de difficultés. Bon, niveau de difficulté, on peut le faire. Alors, par contre, on va se mettre un petit casque. Mais ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse aussi régler l'écran. Bon, ça va peut-être se faire automatiquement, mais je suis pas certain, je suis pas sûr de ça. Joint to popper. Ça me fait un petit peu flipper. On va bien voir. Est-ce que on peut régler? Non, non, non. Ah, non, non. On peut pas, dis donc. Comment ça c'est qu'on peut pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut Magic, comment ça va? T'as vu, tu te réveilles dans de bonnes conditions, en forme et de bonne humeur. Tu ne travailles pas, tu vas pouvoir déjeuner, prendre ton petit café, ta petite biscotte, la confiture à l'abricot, tu vas la manger et bien sûr tu vas aller au trône. N'importe quoi, parce que je cherche en même temps comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il que j'arrive pas à mettre ce putain d'écran plus grand? C'est pas beau ça. Plein d'étoiles dans les yeux. Le Spazou Star. Mais là, tu vois, là, ça m'inquiète un petit peu l'écran qui soit un peu comme ça là. Je suis pas trop content, hein? T'as pas bien monté le mur? Je suis pas trop content, hein? Eh bon, on va se faire un petit Spider-Man, je sais pas ce que t'en penses, eh. Pour un petit réveil, on va se faire un petit Spider-Man. Alors. Oh, je l'ai fait il y a longtemps. On va reprendre. J'ai pas du tout fini celui-là. Alors là, je ne l'ai pas du tout fini. Et d'ailleurs, c'est un des rares jeux de super-héros que je joue après Batman. Là, les Batman, je les ai tous torchés. Mais je l'ai fini 4 fois. Wouhouhouhouhouhouhouhou. Ah, vraiment? Et du coup, c'est le seul que je tolère chez Marvel. Spider-Man. Parce que j'aime pas Marvel à la base. Hein. Je suis pas un Marvelois. Je suis pas du tout un Marvelois. Je suis totalement un DC. Donc voilà. Moi, je suis plus vraiment dans du Batman, du Joker, du Catwoman, du Green Lantern. Du Swamp Thing, du Harley Quinn, tu vois, je trouve que DC c'est beaucoup plus glauque, c'est plus dark. DC Comics, ils sont beaucoup plus violents les méchants, ils sont beaucoup plus méchants, c'est plus Nightmare, c'est plus. Marvel c'est ambiance popcorn, funky, Hollywood, tout va bien, les super-héros ils sont beaux gosses. <Tu vois. rire> Exact, du Flash dans les DC. Bon, faut que je me rappelle des touches. Ok. Ok, jusqu'ici, pas compliqué. Ok. Youhou! Voilà, on va se passer par ici. Oui. Vous l'avez arrêté? Non. Attends. On est à la tour. Pause. Mais on n'a pas le mandat. Youhou! Ça me dérange si je joue avec vous? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yori, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. Ok. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, c'est comme si c'était fait. On y va. Tintintin. Tintintin. Putain, là, tu fais de la toile comme ça sur l'A86. Parce que toi qui connais, t'es de Paris. Et te dire, tout est heureux, hein?
Alors celui-là, je l'ai pas du tout fini, hein. Je crois que j'avais dû faire 3 missions, je m'étais stoppé. Hein. Allô, Peter ? Oui. Où es-tu ? Mais là... Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Bon, de toute façon, il y a plein de jeux. Oui. Plein de jeux à faire. Oui, pardon, faut du style pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Oula, 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 oula. J'arrive tout de suite, promis. J'ai aïe. Intérêt à me dépêcher pour être à l'heure à mon vrai job. J'ai pas dû prendre ça dans les roubignoles. Hein. Allez, ça passe. C'est vrai qu'il est propre ce jeu quand même. Quelle merveille. Faut que je fasse Days Gone aussi. Le jeu de zombies. Je dirais qu'Yori a appelé la cavalerie. Allez, on passe par là. Allez, allez, non. Non, c'est vrai que. C'est pour ça que j'ai kiffé hein, celui-là. Franchement, au niveau super-héros, il y a pas de... Bah non, là, tu viens dire que t'es dans ma team. Tu kiffes Flash. T'es dans la team Spazou. T'es dans la DC Connection. Sortez le poids lourd. Atrocitus, Aquaman. Poison Ivy, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette dame aussi. Cette dame, c'est un mutant mais c'est une dame. Le mec il respecte tellement les mutants que c'est une dame. Une dame plante. Salut Dark. Zed, pardon. Comment ça va? Comment ça va mon loulou? On se réveille avec Spider aujourd'hui. Alors. Alors un petit frappe étoile. Et puis on s'enchaîne avec du Batman. Hein. Oui oui, bah laisse-moi jouer s'il te plaît. Et ça c'est pour esquiver. Ah ouais d'accord. Ah oui alors non, c'était pas comme. C'était pas comme Batou. Hein. Pas de soucis. Hop. 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 Client suivant. On met les coucougnettes au frais avec la toile d'araignée. J'aime bien ça, celle-là. Là. Hop. Hop. Non, par contre, c'est vrai qu'il envoie du pâté quand même. Hein. Allez, hop, je dégoûte. Et boum. Oh, c'est pas un problème, ça va. Attends. Hop, 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 hop. Oh, regarde, tac, 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 tac. Oh, qui pourront sortir les fiches de paye. Hop, tac, tac, et bim. Alors normalement, regarde, voilà. Hop, hop. Je peux pas tout faire. Spider-Man, où en êtes-vous? C'est presque fini. Et vous? J'arrive. On est sur hop, le point hop. J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous passerez les menottes. Attends, on va passer par là. Et voilà. Hop, hop. Attends, on va prendre ça. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est fluide, c'est remarquable quand même. Hein. Ah, c'est vraiment lui que je préfère hein, chez les Marvel. Hein. Il n'y a vraiment pas photo. Hein. Il n'y a pas de souci, Z. Il n'y a pas de problème. Attends, je suis en train de boire. Il n'y a pas de souci. Déjà, t'es passé boire le petit café avec nous. C'est super sympa. Tintin. Non, puis pour une fois qu'en plus qu'ils aient réussi à le faire correctement, parce que les autres Spider-Man ils étaient moyennement bien faits, surtout le dernier qui était pas si mauvais que ça, mais celui-ci c'est l'apothéose quand même. Hein. Celui-ci c'est quand même une sacrée réussite. Hein. Demandez des renforts et verrouillez l'espace aérien. Yori, tout va bien ? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Alors, oui, j'ai regardé. Mais. Ouais, allez-y. Yes ! Il faut quand même que j'arrive à finir le Need for Speed que j'ai pas trop aimé là, justement. Parce que ça reste dans ma bibliothèque et ça m'a un petit peu dérangé. Donc, avant de prendre le payback, je pense que je vais essayer de finir l'ancien Need for Speed. Cadeau ! J'ouvre la voie ! Je vais voir ! Allez, allez, on y va. On y va mon loulou. Hop. Allez. Frappe étoile. Bon, tu me laisses jouer là, c'est bon, je peux jouer. Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout. Voilà, voilà, hop là, oh, hop là, hop là. Ça me touche. Voilà. Et zbim. Ah, oh, ça maroufle, hein. Ça fait très, très, ça fait du bien. Ça. Hop.
Quelle souplesse, quelle dextérité. Oh, ils sont où? Ah, hop là. Alors attends, lui on va le mettre plein de toiles d'araignée, toi aussi, tiens, tac 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 tac. Il y en a un qui est en train de m'avoiner là. Hop. Ça tire où, ça tire où, ça tire où? La cause interne, oui, je sais, fous-moi la paix. Petite capsule d'énergie d'amour. Alors. Ah voilà, c'était ça, ok. Un petit peu le problème de ce Spider-Man, c'est qu'au démarrage, hein, on va pas se cacher, il y a plein de boutons. Je vais en perdre la moitié en route. Ah, et toutes mes pieds qui puent. Voilà. Hop. Je crois que c'était le dernier. Ah, il a pris cher, lui. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour que ça marche. Ils ont bloqué les ascenseurs. Par les escaliers. C'est ce que je disais à Magic, en fait, c'est que ce Marvel-là, le Spider-Man, qui est Marvel, c'est le seul super-héros que je peux jouer. Tout le reste c'est Batman quoi, c'est DC, je peux pas... Il y a que Spider-Man qui pour moi je trouve a vraiment un talent... Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter. Hop. De mutants en fait, hein, l'histoire de l'araignée et tout, voilà. Tous les autres c'est, bon, peut-être un peu Hulk vite fait, mais Iron Man, Thor, tout ça, enfin... Je n'aime pas du tout. Des imposteurs. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. D'ailleurs ils ont fait un jeu là avec les Marvel. Okay. Alors ça a l'air d'être assez bien fait quand même, hein, donc j'attends de voir. Peut-être le faire. C'est Tante May. Il vaut mieux que je réponde. Salut Tante May. Mais c'est clair que Spider-Woman, génial. Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Oui oui. Bien sûr. Écoute, je dois te laisser. Et là au moins tu vois, t'es prévenu, toi, c'est une sauce hollywoodienne. Moi aussi. Mais t'apprécies l'humour parce qu'il est jeune, il est. Hop. Le héros à travers Spider-Man a vraiment été bien créé. Attends, on va prendre ça. Tu vois, les mécaniques et tout, franchement, superbe. Ah. Attention. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Ah, ça, il l'avait prévenu. Oula. Oh, oh, j'avais esquivé quand même, hein. Pas abusé là les loulous, hein. Tu vois, ça c'est fort, c'est magnifique. Ah, je crois qu'il m'avait semblé qu'il y en avait un là, mais non. Du coup, t'as eu tous les costumes, Magic, si j'ai bien compris. Hop. Et ce soir, c'est le jeu d'enquête, hein, les loulous. Hein. Je vous préviens tout de suite, c'est le jeu d'enquête où on n'est pas tenu par la main, justement. Il va falloir prendre un calepin et tout retenir, hein. Alors soit c'est le jeu d'enquête, soit c'est Days Gone, hein, le jeu de zombies, je sais pas trop là. Mais le jeu d'enquête, Magic me l'a réclamé. Et je sens qu'on peut bien se marrer, donc Z, si t'es là, il va falloir que tout le monde ait des calepins et qu'on s'entraide, parce que c'est un jeu qui est pas du tout tenu par la main, hein. C'est très très dur. Savoir ce qui s'est passé pour dans cette ville où ils ont tué pas mal de monde. Du coup, j'ai pas suivi, genre j'étais en train de jacter comme un petit loulou là. Ouais, bouge d'aération. Là-haut. Je rentre pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper... Oh, tu pourras peut-être essayer de passer vite fait sur ton téléphone. Pas aller plus vite que la magie. Mais d'accord, Magic, on va essayer de faire ça, le jeu d'enquête, et puis... ou sinon le jeu Days Gone. Je sais pas. Mais en tout cas, il y aura le jeu d'enquête. J'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble, quelle tronche ça a. Et de se creuser la tête, quoi, vraiment d'être sur un truc réaliste, hein, finalement. Où faut vraiment, et pas de dialogue, y'a rien, faut regarder vraiment ce qui se passe dans l'environnement et tout, quoi. Comment je fais pour en dire, hein. Non, c'était là, non? Ah putain, j'ai pas suivi. Je papote trop. Coucou. Ah, les copains, ils sont où les copains? Ils sont pas les copains? Ouais, mais apparemment, c'est pas pour aller que vous jouez pas si coupé.
Tu vois, c'était juste à côté de moi, j'ai rien vu, elle était juste en dessous. Hein. Ça doit être elle, non? Non, comment on fait là? C'est quoi cette arnaque? Il peut passer là? Dis pas que tu passes quand même. Non, tu peux pas passer. Ouh, ça y est. Ça y est, je me concentre sur un truc qui va pas le faire. Faut que je revienne sur mes pas. Oh, dis donc, oui, enfin, eh. Eh, dis donc! Alors, tu peux pas s'y aller, voilà, c'est ici, hein. Voilà. C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe! Ah. C'est normal, quand on donne des kicks, faut avancer en même temps. Hein. C'est vraiment pas le bonjour. Voilà. Attention. Hop. Suppression totale imminente. Hop, petit soignage. Je pensais que les techniciens de mon ancien job étaient nuls. Voilà, lui on va lui mettre à du percute. Voilà. Et sbim. Toi. Hop. Et après, et après, et après. Et après, c'est que le patron. Ah bah t'es encore là, toi. T'es regarde, tac 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 tac. Ça, j'adore ce petit coup à chaque fois là. Non, y'a rien à dire, on peut pas critiquer le jeu là, c'est de merveille. Bing. Ça, j'adore ça. J'adore. Alors. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Ah bah ça. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Comment il s'appelle ce méchant? Hein? Parce que je connais pas les méchants de Spider-Man. Hein. C'est lui le plus corsé? Dans les. Il m'a pas l'air méchant, hein. Il m'a peur d'avoir des pouvoirs, lui, hein. Éliminez-le! Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, après, c'est que je vais oublier la moitié des coups, moi. Qu'est-ce ça, que hein. Tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Tu vas te sans moi! La perle, je tiens en laisse. Va se répandre! Oh, faut pas chier. On sait qu'ils sont. On en a vécu des choses. Hop. Je suis presque triste que ça s'arrête. Loin de là. Voilà. Pense qu'à prépare-toi bien pour la suite. Je m'en fous de ta projection aérienne, je vais la faire. Bah non, il est cuit. J'ai compris qu'après on pouvait le lancer. T'as ça, j'adore. La toile, comment elle est super bien réalisée. Franchement, c'est magnifique, c'est superbe. Yori, une explosion. J'ai vu. Qui a pu piéger tout le bâtiment. Bon, puis ça tourne, c'est beau quoi. Voilà quoi. Bon, donc là je suis en train de m'occuper des gars de Saint-Tro là. Je vois que c'est la team violette là. C'est les Los Santos. Ah non, c'est pas les Los Santos, le Santos. Si, c'est les Los Santos. Non, attends, on va pas arrêter, quand même. Saint-Tro, ils étaient violets. Mais Los Santos, c'est dans GTA San Andreas. On va arrêter de dire des conneries. Ouais. Ça serait bien. C'est bon, on y va. C'est un baron du crime trafiquant d'armes. C'est Fisk qui s'appelle, d'accord. Ah, Fisk en plus. Eh, t'as le Fisk. Occupez-vous d'eux. Quoi ? Nous, on charge des bombes. Vite, cachez les tableaux, cachez tout. Non, Fisk, le méchant. Ah, pardon. Tout le monde dehors. Oh merde. Moi, je vais kicker les civils. Allez, tout le monde dehors. Aïe. Pardon. Il faut faire sortir ces gens. C'est vraiment beau. Je les trouverai. Oui. On est coincés. On peut J'arrive. Pas bouger. J'arrive, madame. Je vais les soulever. Dès que possible, foncez. Si vous le pouvez, aidez les blessés. Compris? Allez, mouscroir. Hop. Et qu'est-ce qu'il fait chaud là? Je sais pas chez vous s'il fait chaud, mais disons, ça c'est en train de cogner là. Ça commence, hein. Allez. Ici. Ça y est. On y va. Je pars au lit. J'arrive. Spider-Man, c'est Yuri. Voilà. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont l'air. Bouge d'aération. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. On n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. C'est marrant que c'est pas pris tout l'écran là, hein. Incroyable ça. Mais je pense savoir pourquoi. En fait, je crois savoir pourquoi. Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie.
Y'a rien à prendre. Ok. C'est moi l'araignée qui pue des pieds. Oulalalala, qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, hop là! Ouais, peut-être plus de chance que toi, hein. Je vais un peu te méchant, mais. Allez, c'est parti, hop là! Oh là là, alors là, ils se sont dit, putain, le mec! Eh! Le mec le plus rapide! Tiens, hop là! Qui sont venus sur ma gueule? Même le jeu, il avait même pas fini la narration, que j'étais déjà dessus. Hop là, voilà. Des fois, je fais des trucs un peu extraordinaires. Des fois, je fais des trucs de merde. Mais ça m'arrive de faire des beaux trucs, hein. Hop! Non, 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 non. Je suis trop court. C'est parce que Batman, en fait, quand on donne des kicks, hein, il se déplace automatiquement, alors que lui, il reste sur place. Et ça me change, ça me... C'est pas grave. C'est pas grave, arrête de trouver des excuses, hein, s'il te plaît. Hein. Allez, on sort. Non ? D'accord. On sort pas, on passe par là. Patience ! Il y en aura pour tout le monde. Ah, j'ai pas visé le bon. Avec ça, tu vas là. Oh, les mecs, ils se prennent des sacrées châtaignes quand même, hein. T'aurais pas dû t'attendre. Oh, il y a une petite tarte là. La salle est sûre. Les démineurs doivent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont bien. Ah, vraiment, c'est un. Ouais, je vais me le faire celui-là. Voilà. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Est-ce que vous allez bien? Passez devant, on sera juste derrière vous. Ah oui, hein. Oh, merveille. Boului. Oh, comment j'aurais fait pour le bouclier là? D'accord. Ah ouais, il y avait rien de plus simple. Alors vous fricotiez avec Fisk depuis le début? Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant. Hop là. Remarque, il met les coucougnettes au chaud. Pas marché. Là, attends, plan attends. Prendre une dérouillée. Pour pas qu'il en bouge. C'est lui que je veux là-bas. Hop, 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 hop. Ah, viens là toi. Alors, hop, et après c'est ça qu'il voulait que je fasse. Et bim. Allez, colonne vertébrale, là je t'explique pas. Bon. Ah, attends, il y a le copain là-bas. On va s'occuper du copain. Hop. Voilà. Le couper, c'est bon. Allez. Hop. Allez, pareil. Hop, même punition. Voilà, parce que t'as cru que tu m'as pris pour un con. Tu crois que je sais pas jouer? Hop, oh, c'est beau. Eh hey, ça me rappelait la prise. La prise dans. On dirait que certains de vos hommes bossaient pour dans Tekken. Le premier Tekken de Lao. Oui, sautait, c'était. Arrêtez-le maintenant. Avec plaisir. Passe par où? Passe par là. Over Nane Avant de Greer. Even the morning girl with all and of it. Just again, I need to win the fist down and again, I win the wind. The one that's with the wind, the money again, and with the wind. Oublie surtout pas de tirer entre Spider et Man. Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Ah, il a l'air massif quand même, hein. Il est un peu costaud, hein. Je dois bien admettre. Bon, moi tout seul, je me le tape, mais j'avoue, c'est un beau petit garçon. Mais tes pitreries s'arrêtent là. Ouh, lui. Quel lâche. T'es conscient que je te vois toujours là? 8 années de cette insolence. J'ai changé de style, t'as vu, je suis parti dans le côté country. Hey, one again, a man, a one again, a shit, the sun, and now, one has been a second in a fit, the shunt, a man, and now. Alors, hop, d'accord, je les évite. Ça recharge. Ouais. Ça recharge. Voilà, et on peut détruire ou pas? Ah, saisir. Allez! Hop là, bah, je t'ai dit. Oh, putain, le musée. Ouais, moi, je vais plus me rappeler des boutons, hein, je vous dis comment tout de suite. C'est hein. Possible! Eh ben, Willy, t'as pas l'air content? Je vais t'aplatir! Essaye toujours! Bon, il est lent, par contre, il est costaud, hein, dans le. Ah, ok. Et une ouverture!
Et qu'est-ce que je fasse? Ah ouais, merci. J'ai pas dû bien faire le truc en fait. On se ressoulève un truc maintenant. Là. Oh lui! Oh lui! Vas-y, casse-toi là. D'accord. T'as rien à faire là. Bon, alors on recommence. Alors, je dois pas être. Je vais en finir! Fallait pas me chercher! Ah, faut que d'accord, ah, oui, d'accord, excuse-moi, attends. Oula. Vas-y, reviens, reviens. J'ai une petite maladresse de ma part. Ah non? Ah non? Ah, faut juste lui mettre une cacahuète comme ça en fait. Aïe, 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 aïe. Où c'est que je suis là? Ouais, c'est ça, c'est faut mettre cacahuète. Ah, aïe, ouh, par contre, oula, dis donc, ça résonne là. Il a mal quand même ou ça fait quelque chose que je suis en train de faire? Aïe. Ou ça fait pas quelque chose? Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Insupportable nuisible! Je reviens! C'est pas le mille! Mais ouais! Aïe 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 aïe! De Dieu! Et on peut le taper quand il est comme ça après? Ah bah voilà, mais faut me le dire ça. Moi je restais comme un con avec mon triangle. Voilà, là il prend des roustes. Bon, je pense que je vais être bon pour recommencer. Ah ah ah. Ah, ça te dérange que j'ai compris les boutons. Il a de la patate quand même, hein. Il a de la force, il a de la force. Je dois avouer, il a de la force. Si on voit qu'il y a le mec qui mange des céréales le matin. Qu'est-ce que cette ville a de pire? J'allais dire la même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Bon, il est bien que c'est. Quel lâche. On va vite s'occuper de lui. Bon, lui, c'est bon. Vous êtes formé au combat. Battez-vous. Hop. On va prendre ceux qui sont isolés à chaque fois. Je ne veux pas entendre d'excuses. Bon, ça a pas l'air d'être difficile, hein. Pourquoi je vous pète? Non. Pas besoin de protéger le boss. Ah oui, tu vois, c'est un grand. Imbécile. Allez, viens. Ah. Alors. Par contre, il te. De Dieu, te suis, hein. Putain, la vache. C'est des fois, tu penses qu'il est lent, mais il est pas si lent que ça, hein. Putain, c'est pas lui que je voulais. Enfin, je vais quand même mettre deux roustes. Non, je suis pas en train de lâcher. Hop. Et hop. C'est tout. Alors où c'est qu'il me tire dessus? Allez, viens là, toi. Ouais, c'était sûr. Et je peux pas me concentrer sur tout le monde. Ouh, ça va chier. Je suis énervé. Tu vas morfler. Tu vas avoir mal. Parce qu'en fait je voulais dire des petits mots, mais ça aurait été censuré, donc c'est pour ça que j'ai pas pu entamer tout mon dialogue. Je suis obligé de revoir à chaque fois les textes du parolier. J'ai l'impression que c'est le bordel, mais je maîtrise, hein. Tout va bien, hein. Je me prends. Putain. Mais non, mais je fais soin là depuis tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi? Faut que je reste immobile? Ouh, je suis énervé. Je vais te gifler. Je vais te sodomiser. Alors là, vous allez voir, là, ça, là, vous allez comprendre ce que c'est que pas. Là, ça va pas du tout être fair play. Allez, faut que j'ai dans qui ses potes là, parce qu'il est en train de me saouler. Ah,
Voilà, c'est bon, on a eu. Oh. Allez, à ton tour. Tout à l'heure, on rigolait, c'était rigolo, c'était sympa. On était là, on s'amusait, mais là, on va pas s'amuser, je vous le dis tout de suite là. Hop là. Aïe, 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 aïe. Mais non! Non, parce qu'il est facile, hein. C'est juste ses copains là qui nous embrouillent à chaque fois. Bon, ça va aller là? Aïe! Ah, il m'énerve à pas se déplacer là, petit spider là. Ah non! Ah, et on! J'ai réussi à. Tant pis! À te balader! À te sodomiser! Ah. Ouh, c'est beau! Oh, je suis tout ému! Et hop! C'est vrai que ça envoie quand même, ça envoie du pâté. Ah, on va se taper comme ça. Ouais. Et bah voilà, on a réussi. Alors, c'est là qu'on s'embrasse ? Salut Vivine ! Salut Viewvienne du 27, 9, 10, 11. Salut à toi, bonjour et puis d'être venu quoi. Il aura aussi une prime ? Attends, on peut pas donner de l'argent comme ça, il faut tout calculer, il faut faire des bénéfices, il va falloir tout maîtriser, il va falloir tout contrôler, il va falloir appeler le fisc, mais pas le fisc de la télé, il va falloir tout me donner des alors, roublons et... puis voilà. C'est drôle, hein, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. Parce qu'il faut suivre l'histoire quand même. Vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter. Bon, faut que je file. Eh, hey, bonne chance Willy, je crois que tu vas en avoir besoin. Ah, je serais doublement payé. C'est moi. Attends. Soit je suis le secrétaire ou le garde du corps. Attends. Ah, vraiment. Eh, il va falloir arrêter les bagouilles, là, hein. Ah, je vais te marabouter. Je vais te marabouter, toi. Et ça y est, on l'a mis en prison. Voilà, tu vois. Parfait. Alors. Ou peut-être prendre des vacances. Du coup, maintenant, on va peut-être avoir accès aux trucs secondaires. J'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau costume, là, qui était par rapport au film. Je sais pas si c'est si j'ai bien compris. Alors, on prend l'arbre de compétence. Oh, tu prends une marmite. Ah, courgette. Oh, tu vois la compétence là. Ouh, dis donc, et c'est pire que Osiris. Astérix, bien sûr, ceux qui connaissent. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, du coup? Bon, on saisit. Est-ce qu'on fait de la dé... Ah non, j'ai pas le choix. C'est pas le choix, c'est moi qui te dis. D'accord, j'ai compris. Voilà. Alors... qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? Allez, ouais, je vous écoute. Là, on prend quoi là? Coup de pied latéral, ça peut être pas mal. Par contre, l'esquive parfaite, ça peut être pas mal du tout. Et innovateur. Ennemi entoilé et électrifié. Ah, c'est ça, il y a une nouvelle tenue. Hein. Et regarde tous les gosses. Attends, j'ai pas vu qu'il y a une prime, il y a une prime. Où c'est qu'il y a une prime? C'est moi qui serai doublement payé ou c'est Magic qui sera doublement payé? Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être prendre Innovateur, c'est pas mal quand même. Hein. J'aime bien Innovateur, moi. Hein, je sais pas, non. Ouais, c'est Magic. Bon, moi... ou Défenseur. Non, je vais prendre Défenseur. Je vois que vous êtes concentrés sur le pognon. Je vais prendre Défenseur. Personne ne parle. Là, ça, ils sont en train de faire leur business. Voilà. Et il me faut un monteur aussi, hein, parce que je monte plus rien. Ça, je vous préviens tout de suite. Parce qu'avant de parler de pognon, il va falloir aussi faire la jaquette. Il va falloir tout faire. Hein, parce que Zed, il va pas pouvoir tout faire, là. Tout ce qu'il donne. Hein. Bon, et puis on va prendre Magic. Ça, te sera le garde du corps. Donc attention parce que Zed il fait du full contact hein.
Attention. Bon bah c'est bon, technique. Bon, on peut jouer. Youhou, c'est parti. Ah non, c'est pas parti. On y va. Tu vas décoller. Allez. Peter, où es-tu? Le comité va arriver. Nous devons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Allez, on arrive, on arrive, on arrive. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. Attends, attends, attends. Ouh, dans la classe. Doc, attends, 24, ça a le don de lui créer des problèmes. 25. €20. J'adore les talons rouges comme ça. Ah, ça n'a plus que... Ah bah voilà. Allez, Patchy. Allez, on y va, parce que là... On nous appelle, on va être en retard, on va se faire engueuler. Mais j'ai pas envie de plonger. Tu me laisses tranquille. Hop, un mur. C'est la personne qui a son croissant et tout d'un coup, elle doit arriver comme un ouf. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, regardez ça là. Ouh. Oh, dis donc, il y a une petite teuf là. Oh, 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 oh. Normalement, il me semble que tu peux marcher. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Ah non, c'est pas une... Ah non, c'est un petit. Oh là, dis donc. Ah non, c'est un petit resto. Ah, j'ai cru. Hein. Oh les pigeons, c'est beau. Oh les escargots, c'est beau. Non, je rigole là, je rigole. Il fait de la merde. Bon, faut que j'y aille là parce que là, du coup, je suis en train de contempler un petit peu ça. Que c'est beau quand même, t'as la vache. Là, 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 là. Oh putain, on l'arrête plus lui. Ah, t'as des pouvoirs pareils, je t'explique pas. Comment c'est la fête foraine. C'est pour ça que finalement, on est un petit peu comme, comme Peter Parker. Parce que bah, t'as les pouvoirs, tu fais le foufou quoi. Bon, qui c'est qui fait les t-shirts? Faire les t-shirts aussi, hein? Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Ah, il n'y a pas... là, je suis en train de voir... Octopus, c'est Spider-Man, Octopus? La subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique. C'est lui, c'est ça? Ah d'accord, voilà. Donc tu vois, je suis pas trop, mais j'ai vu avec les tentacules parce que je sais que dans DC, celui-là qui lui ressemble, c'est Brainiac. Mais Spider-Man, est-ce que j'ai pu suivre quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, quand j'étais petit marmot, c'était bien Octopus. Mais je savais pas si c'était dans Spider-Man, Octopus ou. Mais on progresse. Ou si c'était un autre héros, je ne sais plus du tout. Vous ils sont en train de magouiller là. Tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont. Il faut casquette, t-shirt, tournée, Stade de France, vue, Bercy. L'odeur ne dure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase. CD, jaquette. Si et puis c'est tout. Après, moi, je fais le reste avec ma belle voix. On va aller en discuter autre part. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. You wanna get nowhere to drive. Doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Bah, j'ai les cordes vocales un petit peu...
un petit peu endommagé, je ne peux pas m'exposer comme ça le matin, mais c'est quand même une belle démonstration de force que je viens de faire, hein, hein. Et on peut dire quand même qu'il y a du talent, hein. T'es pas en grande forme, toi. Alors, il faut bouger le bras. D'accord. Oh, dis donc, c'est vachement bien fait. Bon, comment on fait? C'est vachement bien fait, on peut bouger le bras. Voyons d'où vient le problème. Alors, l'Octavius. Ah bah, Octopus, Octavius. Le maître des cinq doigts dans la... Ah, je me suis arrêté, eh. Ça, c'était censuré. La main de la... Alors... Le circuit a grillé. Oh non, c'est bon, c'est... si j'ai pas envie de jouer à Watch Dogs, là, c'est pas pour... C'est pas pour me faire chier à faire ça, hein. Ah, putain. Bon, alors, attends, parce que j'ai pas suivi, du coup, ce qu'il faut faire... Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, je peux prendre... Ah, d'accord, c'est... Attends. Oui, oui, oui. Comment je prends... Ah, c'est comme ça? Ah, je les sélectionne. Ah, oui, d'accord. Et on peut les bouger, je suppose. Ouais. Non, on peut les bouger. Super. Oh là là. Ouh. Oh, dis donc, le mec. Ouh, il se lâche. Ouh, dis donc. Voilà. Hop. Hop, oh, oh, dis donc, quel talent! Non, mais par contre, ça, je suis pas friand de ce petit jeu. Ouais. Ah non, parce que Watch Dogs 2, là, on va le recommencer. Là, j'ai recommencé. Je suis pas pressé. On hein. redirige les commandes du cerveau moteur. Oh, il va me faire chier combien de fois là? Bon, alors. Alors, ce qu'il aimerait, c'est que je passe par là en fait. Mais ça, c'est un pivoteur. Donc si je prends le pivoteur, ici je prends le droiteur, ici je... le droiteur, j'ai dit pas le doiteur. Ici on reprend. Hop, ici on prend ça. Ah je peux pas, on prend ça. Voilà. Ah putain! Je le fais comme un con, j'avais pas vu qu'il y avait des sens. Comment on fait? Casse-toi. Comment on fait? Viens-moi ça. Ah il y a des sens. Putain, merde, faut réfléchir. Ah, je les avais tous mis dans le bon sens et du coup lui il a un sens inverse. Ah ah! Tu pensais que c'était facile mon petit canard? Et ouais là j'ai un sens contraire. Alors. Et je le remets en plus. Voilà, bon. Mais droit. Mais à un moment donné je vais bien me taper le sens contraire. Ils m'ont mis un sens à la con comme ça là. Le module qui sert à rien finalement. Ok. Ensuite. Ah, attends, ce que j'ai pas dit. Et on redistribue la tension. Il y a des pirates avec des barres. Et tu n'arrives pas à demander à Magic là. T'as un dictionnaire des réponses du jeu. Magic, ah oui. Mais alors, attends, j'ai pas compris. Il y a des pirates avec des barres. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc. Ça, on s'en fout en fait. Non, quand ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? bah oui, je vais mettre ça là. Ouais, parce que j'ai pas le choix, ça, je vais le mettre là, parce qu'il me le dit, ça, je vais le mettre là, voilà, après, y'a plus de pied à ça, alors, pas facile, hein. Ah non, ça je peux pas. Ça pivote pas, on peut pas faire un truc, là. Voilà. Ah mince. En plus, Magic, il relie pas. voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas là? Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Bon bah il est arrivé le truc là, qu'est-ce qui... Wow! Oui parce que...
Bah oui, je l'ai fini. Alors, ça va, non? J'ai compris. Hein, je suis pas cruche, hein. Voyons si ça marche. Ah, allez, on va refaire jouer avec le bras. Comme neuf. Super. Eh, génial. Eh, tu veux sortir mes bras? Regarde, eh, mes aisselles. Ah, je sais. Je sais, c'est pas drôle. Alors, donc le doc du coup... a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. Et bon, faire ça maintenant. Et sympa son labo quand même, hein, il est vraiment sympa. Je crois qu'on doit avoir des modèles de tous les types de prothèses possibles. Notre premier volontaire, le première classe Texidor, il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Ouais, il aimerait tellement manger du chocolat aussi, hein? Parce que, hein, pas de bras, pas de... Super. Alors... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que nous avons par ici? Ici, nous avons... C'est d'améliorer la composition des prothèses. Je devrais jeter un coup d'œil au développement du doc et vérifier son travail. D'accord... rapporter de l'XP et d'autres récompenses en résolvant. Ok, ok, ok. Donc c'est là aussi, en fait, on peut déverrouiller pas mal de petites choses. Comme dans The Ring, tu sais. Les spectres qui font peur. Si, je pouvais faire un truc. Je suis pas concentré du tout, là. Je suis pas du tout concentré. Faut que je regarde un truc. Parce que là, il me dit bonus de réalisation complète. Articule. Mais je suis un peu malade, c'est pour ça. Mais j'ai pas accès. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est dispo, je prends. Oh non. Essayer d'améliorer la granularité de l'actionneur. Eh, franchement, tu peux pas te démerder tout seul, hein. C'est chiant, ça, là. Ah, c'est... En plus, c'est facile là, alors fais-le. Pourquoi tu vas m'emmerder là? C'est bon, on a compris, hein, comment on faisait. Hein. Oh, ah. Ça fait chier tout le monde, ça. Hein. Pas mal. La réaction est super fluide. Bon, je vais faire l'autre et puis on Voyons en parle. Voyons si on peut régler la force de préhension de la prothèse. Ah, ça y est, m'a perdu le machin. Là. Bon. Est-ce que ça vous dit qu'on refasse Until Dawn, ce petit jeu d'horreur qui ne fait pas peur? Il est terrifiant. Voilà, il est énervé. Le méchant dans le jeu, c'est un... On devrait éviter les os broyés lors des poignées de main, comme ça. Ah non, c'est pas un... Non, ah non, c'est un Wendigo. Ah, je voulais faire une rime, mais c'est un Wendigo, en fait, je viens de réfléchir. Ah non. C'est vrai. Ça marchait pas. Non, là on va là, on... ça sera même pas un deux titres. On le vend pas celui-là. Il est pas bon. Bon, alors du coup, je vais arrêter de faire tout ce qui, parce que ça me gave un peu ça là. C'est quoi ça? Merci encore pour ces essais à l'aveugle. Oh la pizza. Oh là là là, comme ça me donne faim. Oh là 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 là. Oh, une pomme de terre lardon, reblochon crème fraîche. Oh là là. Je crois que c'est vraiment le meilleur moyen. Oh là là. Ouais. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Oh là là. Eh. Hey. Oh là là. Oh, merci, Vivine du 27, d'avoir followé. You were my girl. Alors, faire correspondre les motifs. Oh là là. Eh hey, non. Eh. Hey, non. Ouais, hein. Un magic short. Eh. Hey. Oh. Pomme de terre, lardon, reblochon, crème fraîche, avec un peu d'origan dessus. Oh ouais, attendez, parce que là je suis en train de visualiser, je regarde mes murs là carrément. Oh là 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 là. Ou sinon une petite viande hachée, tu vois. Une petite crème fraîche, viande hachée, pomme de terre, oignon et lardon. Non, pas lardon, il y a de la viande. Ah ouais. Et après on reste sur de la sauce tomate, jambon, fromage, margarita quoi. Mais une grosse quoi, une vraie, c'est de la pizzaiolo quoi, tu vois le truc énorme. Oh putain. Oh ça y est, je crois que je vais canner là.
Utilisez le pour déplacer le curseur appuyez sur X pour prendre un fragment. Bon, d'accord, je prends ça. Je prends... Oui, d'accord. Oui, oui. Oui, comment ça se passe? Utilisez pour déplacer. Ah, c'est lui. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Putain. Ah, oh, prends pas pour une biche. Oh putain. Voilà, ok. Ah ouais, putain, ça. Oh là là, putain. Ah, oh, j'aurais pas dû dire ça, j'ai la faim. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Moi, je suis un fan de Burger King. Enfin, fan. Mais avec une je préfère Burger King. Je devrais dire au doc d'explorer. Mais il a fallu quand même. J'ai craqué. Il a fallu que j'aille rechercher un Big Toasty. Parce que le Big Toasty chez McDo, c'était le meilleur projet qui puisse exister. Oh là là, hein. Eh, mais. Oh là, eh, je pouvais pas. Eh, vous sentez en plus cette petite chaleur là. La petite pizza qui est en dessous de votre narine là. La petite chaleur qui est en train de se procurer toutes ces odeurs. Et tu te dis, t'as la maison, t'as ton petit coca, ton Fanta, ton rhum, ta vodka, tu vois ce que tu veux. Et là, tu. Oh, t'as ta petite pizza là qui arrive, la petite pizza ounette, une belle, hein, une senior, tu vois le truc où tu sais que tu vas passer une belle après-midi. Tu vas ronfler, tu vas jouer, mais une belle après-midi. Et putain, et là, oh là là, c'est tout chaud, cette pâte croustillante pour le peu que tu mettes un peu de fromage à l'intérieur. Ah, je sais. Je sais. Vous avez le droit de quitter le stream parce que je crois que je vais pas arrêter de parler de bouffe. Bon, faut partir par où maintenant? Spider-Man, alors. Yuri. Alors, c'est ce qui est arrivé à Riker? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Parce que même une petite. Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Même une petite quiche Lorraine, ça peut le faire. Fisk devrait être content. Et juste pour t'échauffer, peut-être pour te donner, parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est du lourd. Alors je vais te dire, tu te prends juste une tomate avec de la buffala, là, c'est de la mozza de bufflone, là, avec de l'origan, pas de l'origan, du basilic, juste dessus, un petit filet d'huile d'olive, et après tu dis, c'est pizza. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Alors, lauréat d'un prix Pulitzer. Non, deux. On va contrôler un petit peu la ville quand même, comment ça se passe. Prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef. Super, ils sont beaux, ils sont beaux. Le bouquin. Allez, on repart. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe en votre nom, c'est pas la peine de réclamer. Mais il met des bonnes roustes, hein. Bon, attends, est-ce que vous pouvez avancer quand même, parce que je fais. Avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Eh oui, je sais, je suis désolé. Je suis désolé, Vivine. Bon, alors, à vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, mais c'est surtout cette petite pomme de terre crème fraîche, lardon. Reblochon, tu sais qui. Ah, Titi, c'est là, franchement, elle Titi, grave. Après, même hein, si tu prends, tu sais, genre une petite poulet, tu vois. Ah, ça peut être sympa, une petite poulet aussi. Hein. Oh, super. Alors, réparez mes toilettes et fermez-la. Eh, une quiche Lorraine. T'as la maison, tu te fais une petite quiche Lorraine aussi. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là là, crème fraîche, œuf, lardon. Tu mets un petit peu de fromage à l'intérieur. Et puis, on est au top. T'as pas bougé de chez toi. Mais la pizza, ça reste la pizza quand même. Hein. Alors, je sais pas du tout de quoi on parle au niveau de la mission. Je n'en sais rien du tout parce que là, j'ai faim. J'ai faim. Mon Dieu, quelle mauvaise idée qu'on a eu de discuter de cette chose-là, de cette gastronomie italienne arrangée à la française. Je leur dis que j'en ai ras le bol de voir leur tête. Ah, dis donc, on a un beau petit jean, eh. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu le portes bien. Besoin d'un cavalier pour le bal. Vous avez un spider smoking? Eh, exactement. Bal cette année. Mais franchement, dans le matériel de tu regardes... Bah, ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Ah oui, il a raison. T'es végétarienne? Nous a lâché. Dans T'es végétarienne, villes. Magic. Toutes les tours. Comment ça? Chèvre-miel, c'est totalement acceptable. Hein. Hmm. Crème fraîche avec chèvre-miel, c'est magnifique. Hein. La priorité, c'est de mettre les tours en marche. Non, mais c'est pas grave, on a compris. Donc, mais c'est totalement acceptable. Hein. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. Moi je pense sincèrement. Si vous cassez, d'ailleurs, vous c'est dommage parce que tu. Ouais, le chorizo chèvre, miel, qu'est-ce que c'est bon! Oh, le chorizo chèvre aussi, c'est très bon. Les fréquences d'entrée sont inversées. Finalement, tu te fais une petite pizza avec. Tu mets un petit. Légumes du soleil, tomates, courgettes,
un peu style ratatouille avec des oignons, des poivrons. Ça passe très très bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, faut mettre les ondes? Ok. Ok, faut mettre la bonne hauteur. Eh, je suis pas trop concentré, mais mine de rien, c'est mon cerveau. Là, c'est mes mains et mon cerveau qui font tout. Hein. Moi, je fais rien. Voilà. Moi, je suis en train d'imaginer. Et d'ailleurs, une petite choucroute là. Qui c'est qui serait capable d'enlever une petite choucroute là? Juste comme ça, là, au démarrage. Ça peut être pas mal ça. Petite choucroute là. À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. Ah, je respecte ton choix, hein, tu sais, moi, y a pas de problème. Je m'en occupe. Alors, localiser les crimes. Et une petite choucroute là. Ouais, ça. Ah, je suis plus quiche Lorraine quand même, mais bon, pizza, on est bien d'accord, mais. Une petite choucroute. Et tout simplement, t'arrives le matin, vas-y. Une bonne baguette, un bon jambon, des tranches d'emmental et un peu de beurre, et là, tu te manges une baguette entière. Oh, t'as rien que ça, c'est le délire. Rien que ça, t'es heureux comme tout. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Oui, bon, laisse-moi jouer. J'ai compris, laisse-moi jouer. Aïe. Ah, je voulais prendre ma poubelle. J'ai pas pris la poubelle, hein. Hop là. Laisse-moi prendre la poubelle. Hop, bah ça sera le carton, c'est pas grave. Et on va reprendre la poubelle. Et voilà. Bon. Ça, on va se mettre une zone de confort que, voilà, beaucoup plus sympa. Hop là. Tintintin. Arrête un peu, regarde. Tu fais n'importe quoi. Il a dit qu'il faut mettre une grosse droite. Voilà. Bon, bah y'a plus de voyous, hein. Ok, c'est plié. Ah oui. Merci. Ah oui, hein, le classique jambon beurre matin, ah ouais, ouais. Ah, voilà, petite baguette avec cette mie là toute chaude. Justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non, vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Et d'ailleurs, même ce petit sandwich mayonnaise, poulet, crudité... Enfin, à l'intérieur, juste une petite salade et une tomate. Oh là là, tu t'en fous partout, la mayonnaise fait péter. Hein. Mais c'est pas mal aussi, quand même. Alors c'est toi la balance. Dégage, raclure. Je pense qu'on serait pas mal aussi, hein. Mais une bonne entrecôte, je te rejoins, une bonne entrecôte, sauce poivre, tu sais, la petite sauce au poivre qui se met là sur le côté avec tes petites frites. Oh là là, et un petit peu d'haricots verts, histoire de dire qu'on est des gens qui avons un équilibre alimentaire. frappe-toi. C'est très très bon. Et une andouillette, et moi je rebondis, une andouillette. Ah, une andouillette, qu'est-ce que c'est bon, nom de Dieu. Y'a que ça que je mange en abat, hein, par contre, hein, je vous reviens tout de suite. Eh, dis donc, il est master lui là. Ah ouais, putain. Mais tu t'en vas de là, oui. Voilà, comme ça il va arrêter de m'emmerder. Bon, c'est un mini fisc en fait. Aïe, aïe, il m'a tarté. Ah, j'ai fait le nouille. Un beau cochon à la entité. Là, je suis mort pour rien. Hein. Je cache pas que j'ai pas du tout assuré une noix de cajou là. Oh, une petite noix de cajou. Ça va être l'apéro. Oh putain, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries parce que j'ai faim. Allez, on va faire un peu de ménage là. Bon, Spazou il perd une fois, hein, mais il perd pas deux fois, hein, le Spazou. Hein. Je préfère. Alors, hop, parce que toi j'ai compris hein, comment il fallait te niquer. Voilà. On va se décaler, lui, hop, tac, 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 tac. Voilà. On va te maroufler. Et hop. Ah, puis on peut faire avec ça aussi. Ah, il avait dit le monsieur. Il avait dit tu appuies sur le triangle. Dégage. Et après ah. Je la bute. Lâche-moi. Et bah, ok. Oui, ok, laisse-moi jouer s'il te plaît. Voilà. Et voilà. Elle a perdu dedans. Attends, on va prendre ça parce que au moins ça évitera que les gens viennent avec le rodateur et payent la place de parking. Comme quoi, je suis super gentil. C'est un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller?
Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville, et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man. Mais... normal, je suis en normal. Hein. Difficulté... Bah, je vais pas mettre un difficile quand même, j'ai pas fini le jeu. Hey. Et mon cocaine. Non, je joue totalement en normal. Hein. Je suis en normal et... Et puis si je veux faire un jeu difficile, je mets Dark Souls 3 ou Bloodborne, hein. Ou Nioh. Non, attends, déjà que je maîtrise pas le jeu, alors je pense qu'en normal pour le spazou c'est bien, pour qu'on puisse s'amuser et que ça, faut que ça soit efficace aussi, hein. Faut pas m'écœurer comme ça du jeu, hein. Bien sûr que non. Je me rappelle déjà plus de la moitié des boutons, alors. N'appréciez pas ces méthodes. Ouais, mais toi tu es spectaculaire, tu es une personne spectaculaire. J'ai toujours cru en toi. Tu es un titan, un dieu. Non mais c'est très très bien, mais une fois que la maîtrise est là, je veux dire qu'il n'y a pas photo, mais... Je dois bien avouer que comme je joue à pas mal de jeux différents, si à chaque fois je mets difficile, j'y arriverai pas. Hein. Tant que déjà que quand je reprends un jeu, je me rappelle des boutons. qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah, ça y est, vas-y. Vas-y. Oui, on était bon là. Voilà. Bah, en tout cas, et là je suis en train de m'amuser. En plus, on est tous en train d'avoir faim. Parce que vous arrêtez pas là, faut arrêter de me dire regarde ça là. Un burger du Nord et des frites cuites dans de la graisse de bœuf. Bingo. Le space, tu pourras pas dire non. Les tours captent maintenant toutes sortes de radio identifiantes. J'ai cru comprendre que dans le Nord, les gens mangent les frites avec du vinaigre. Je sais pas si c'est les gens du 62 ou du 59, mais avec du vinaigre, hein, j'ai bien cru comprendre ça. Hein. Moi j'avais adoré, bon là c'est par contre, et c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises. Bon, tout le monde connaît le maroilles, hein, ce fromage qui sent apparemment. Et bah, j'avais fait une fête et chez un ami et tout, et donc à 5h du matin, il me propose un café avec ce fromage qui pue. Et bah franchement dans le café, c'est un très bon fromage, il était exceptionnel. Ouais, donc c'est ça, parce qu'en fait j'avais Polynex qui pouvait me confirmer ça justement. Et apparemment ils mangent des frites avec du vinaigre, alors bon, je connais pas trop ce truc là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Découvrir la source du signal radio. Ok. Non mais ce jeu il est de toute beauté, hein, il est magnifique, hein, franchement. Hop. C'est ça? Non, ça perd d'être ça. Putain, c'est d'accord quand tu suis pas, tu vois. Est-ce que c'est là? Ah oui, c'est ça. Il est extraordinaire ce jeu. Le sac à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Mais Andouillette, personne n'a répondu. Andouillette, ça c'est... qui fait pas? Hein? Une bonne Andouillette quand même, c'est quelque chose qui... Je me demande bien si cuit là. Dans la ville. Hey. Alors, pour avoir des jetons de sac à dos. Pour avoir des jetons de sac à dos. Qui c'est qui a regardé Stranger Things saison 3 hier? Ouais, bah ouais, je veux bien te croire. Mais je crois que j'ai que dalle là. J'ai que dalle. Bon, on s'en fout. D'ailleurs, c'est où les costumes là? J'ai un des techniques. Esquive parfaite. C'est vrai que j'ai. Le truc, c'est que. Il y a tellement de boutons que je vais vraiment tout oublier. C'est tout ce qu'il fait que je fasse. Attends, non, laisse-moi tranquille. Faut que je regarde mes costumes. Faut que je clique sur Spider-Man, non, pour aller costumes. Non, ça doit pas être ça. Alors, ça, c'est des récompenses qu'on fait automatiquement ou pas? Tenue.
Ah, parce qu'il y a encore d'autres. Mais. Attends. Personne s'énerve. Personne s'énerve. D'accord. Collection. Mission. Compétences. Carte. Où est-ce que c'est écrit tenue? Personnage. Oh, voilà, quelques rues de là. Hein? L'inspecteur Spiderson. Non, ferme-la. C'est moi qui vois pas ou quoi? Vous me dites tenue, mais c'est où? C'est où, Magic? Putain, je dois être myope. Viens, putain, il se fout de ma gueule. Là, c'est pas où, il se fout de ma gueule. C'est devant lui, il se fout de ma gueule. Là, je vois pas, c'est où? C'est où? Ah, tu fais moi le mariole, hein? Ah, voilà. Ah, hein, bon. Mi-araignée, 100% flic. Du coup. Par là, on y va, c'est parti. Alors, je suppose que ça, c'est des missions qui vont aboutir à un moment donné sur. Il va y avoir des éléments perturbateurs qui vont faire qu'on va avoir d'autres méchants, je pense. Hein. Un braquage qui tourne mal et on s'aperçoit que c'est tant de personnes ou tant de trucs. Ouvre le coffre! Allez! Eh, hey, salut! Ah! Spider-Man! Alors. Allez, clac, 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 clac. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, le mec, il est chaud! Ouh! C'est tout? Ah, pop, 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 pop! Putain, je t'ai pas vu, mais. Voilà. Ok, oula, oula, oh bah alors. Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel! Ah, il a pas tort. Par contre, ça paye pas bien. Attends, qui c'est qui va se la manger cette droite? C'est toi. Hop. Chou cap. Ah, par chez les portières aussi. C'est bon, Yuri. Le mec qui s'est dérangé. Je veux de la bagarre. J'y ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Non, il est vraiment très très bien ce petit. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Ça donne quoi de faire le jeu en spectaculaire? C'est juste, t'as les ennemis qui sont plus compliqués. Et c'est en New Party Plus en fait, c'est ça? Tu gagnes après en compétences. Tu gardes tes caractéristiques et puis du coup tu fais en Party Plus. Allez, on grimpe. Ok. Alors, petit décryptage de. Shore Rooster Bryce, Prestas for Story Torino. Hop, 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 hop. Putain, je suis pas loin là! Wow! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Tu morfles immédiatement. Par contre, du fait que tu gardes tes tenues, parce que les tenues apportent quelque chose, des améliorations, je pense. J'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue. Tu perds sont quand même moins de vie, moins de choses comme si ça, grâce aux tenues, non? Chez lui. Les tenues, elles ont des caractéristiques. Je pense que c'est nécessaire, c'est pas qu'esthétique. Qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire là? D'accord. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez Allez. Que je passe la main? Non, je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Bon, le jeu d'enquête ce soir. Alors, par contre, ce soir, je serai là vers 22h30. Hein, je préfère le préciser. Parce que personne m'a répondu sur Stranger Things. Hein, que vous avez pas regardé la saison 3. Enfin, je pense pas. Attends, je vais faire ma petite pause avant de dire des bêtises. Qui m'a dit
Non, personne m'a dit. Et du coup j'ai regardé la première et la deuxième, donc je vais quand même regarder la troisième saison de Stranger Things. Puisque là j'ai, je viens juste de terminer Dark. Alors je sais pas si vous connaissiez Dark hein, sur Netflix, qui est une série incroyable. Quel est ce tag? Donc je vais venir un petit peu plus tard. Tout à fait, et ce soir ça Discord. Ah bah attends, il y a le jeu d'enquête, je vais pas vous laisser écrire sur le chat hein. Donc ce soir on Discord, je vous mettrai mon petit lien tout ça sur le live de la douceur. Et on fait le jeu d'enquête, calepin, stylo. Enfin j'espère, j'espère que c'est pas une bousasse hein. Je crois beaucoup en lui hein. Donc enfin un jeu d'enquête où on n'est pas j'ai pris par la main comme je l'ai dit hein. C'est génial, tu visites en même temps, c'est quand même super. Hop là. Tapis, qu'est-ce que ça tourne. Voilà, donc là on est revenu. Ah. 10-10 demande l'intervention d'un agent pour une bande de stupéfiants. Ouais, ouais, ce soir je serai sur le chat, hein, y a pas de soucis. Il y aura le Discord. Vous savez très bien qu'il y a des moments où je peux, des moments où je peux pas. Puis là, le jeu s'y prête totalement. De toute façon, Z, il sait très bien que je suis souvent sur le Discord. À parler avec mes viewers, comme on dit dans le milieu professionnel de Twitch et de YouTube. Maintenant, parler avec cette fameuse petite communauté magnifique que j'ai là. Des gens incroyables qui viennent, qui me soutiennent, qui regardent avec moi ce stream. Et voilà, hein, c'est tout. Partageons ça, la communauté, le jeu vidéo quand même, c'est quand même super sympa. Chacun a ses vies, mais au moins on est des gens matures et on est capable de pouvoir partager des bons moments qu'on n'aurait jamais partagé parce qu'on ne se serait jamais rencontrés. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh, salut Vivine, et eh ben écoute, tu reviens quand tu veux, merci à toi, c'était un grand plaisir d'avoir pu échanger, discuter et partager avec toi. Et il n'y a pas de souci, passe une très bonne journée, une agréable journée. J'espère que tu dois pas aller travailler, mon pauvre. Mais si c'est le cas, plein d'encouragement. Et peut-être à ce soir. J'ai faim. Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Ah oui. C'était donc toi. Alors c'est donc ça. C'est toi qui as tes règles dans la... Qui est en train de... T'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. C'est un peu ça. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien, je te laisse travailler. Oh le mec. Ah ça c'est toi Magic. Ah putain, je me suis endormi sur live de Spazou, mais j'ai mon collègue, il va me déchirer. C'est la pause. Ah merde. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Alors. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs... Est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant que... Bon, une araignée blanche, hein. Non, mais on sait maintenant qu'on est ton job, hein. Ça y est, c'est toi le super-héros, en fait. Alors, nouveau. Ah, c'est là où on parlait des costumes, c'est ça? Qu'est-ce que je suis belle. Avec ma petite araignée sur moi. Donc, oui, bon, je peux changer là, s'il te plaît. Ah, d'accord, faut que je la fabrique. Ah, attends, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles tenues, nouveaux pouvoirs? Ah, voilà, nouvelle tenue, d'accord. Oui. Créer une nouvelle tenue, ok. Tu es devenu pouvoir de la tenue pour revenir à des pouvoirs débloqués précédemment. Alors, attends, parce que là, déjà, tu m'as perdu, mon grand.
Bon, arrête, je vais découvrir tout seul. Laisse-moi mon menu tenu, je vais... Ça m'énerve quand ils sont en train d'écrire, là. Eh, c'est pas un bébé, hein. Ah, ça y est, on a droit à une cinématique, finalement, j'aurais dû lire. Alors ça, c'est la tenue de base, en fait. Non, c'est ma... Ah oui, c'est ça. Ah, ça, c'est la tenue du style, quand même. Pardon, je suis en retard. Ça, c'est la tenue du freerider. Ah, elle est beau, quand même. Hein. Surtout quand la tenue est propre. Hein. On doit bien avouer que le blanc flash. Hein. Bonjour, New York. Bon, je t'explique c'est pas si ce serait pris le pot d'échappement dans hein. Dans le dar. Alors fais voir à quoi ça ressemble ça. Alors, mets-toi bien s'il te plaît. Voilà. Alors, attends, je vois pas contre-jour. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités. Ah, il est beau, hein. Via ces chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Bon. Non, c'était une de ses activités. Tenue. Ça y est, on a le menu tenue. Alors, tenue classique endommagée. Tenue classique réparée. Et ça, c'est tenue de Spider-Man noir. Ah, c'est pas beau, ça. Qu'est-ce que c'est... Ouais. Magic. Attends, et nouveau, c'est quoi, ça? Donc là, je vois qu'il n'y a aucun pouvoir de tenue à ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Ah, mais ça, c'est la tenue qu'on connaît, d'origine, non? C'est Spider-Man d'origine. Oh, c'est la tenue Splinter Cell, ça. Sam Fisher, c'est Spider Fisher. J'aime bien celle-là, moi. Tu sais, ça fait vénénin. Vénénin. Ça fait vénéneux. Vénénin. Ah, j'aime bien celle-là. Ça ressemble beaucoup au. D'accord. C'est sans les pouvoirs. Ça ressemble beaucoup au Zetsu. C'est Zetsu? Les Zetsu blancs et Zetsu noirs là dans Naruto. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ceux qui étaient d'ailleurs les saloperies qui ont qui étaient avec avec la prêtresse là, la grande Uchiwa, là, je sais plus comment ça s'appelle, la reine là. Enfin bon, je sais que vous en foutez. Alors finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là-dessus? Il y a une concentration de combat, c'est ça? On garde celle-ci pour avoir ce type de compétences. Bah, équipé, de toute façon, on est équipé. Donc, alors, d'accord. Alors, pouvoir de tenue. Donc, c'est automatique. Mode. Ah, mode. Alors, mode. Attaquer avec un gadget génère de la concentration, réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée. Anti-venom. Ok. Et là, réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée et augmente la portée de votre scanner pour aller au bon sens. C'est ce qu'on fout un peu, ça. Moi, je suis un peu, on est un peu le Spider Willis, hein, comme on dit. Hein. Et nous, on n'a pas peur. On charcle. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne, là, par exemple? Ça peut être pas mal, le premier, finalement. Hein. J'aime bien le premier ou celui-là? Réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée. Peut-être... Ah, c'est impossible. Ah bah, voilà, faut savoir lire. Bon bah ok, je peux rien faire, ok. Bon, en fait tout est dedans, quoi. Je peux pas acheter, je peux rien faire, ok, d'accord. Bon bah merci. Michel, avec différents okay. Investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? Allez, on y va. J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Là où je suis bluffé, c'est quand même la vie qu'il y a dans... qu'il y a au sol, quoi. Franchement, pour une PS4, enfin je critique pas, hein, c'est pas ce que je dis, mais heureusement que ça tourne quand même un petit peu, mais on sent que c'est comme Uncharted, hein. C'est quand les jeux ils sont vraiment bien optimisés pour la machine, ça fait des sacrés grands jeux, quoi. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici. Mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Attends. Vas-y, je m'en fous. Tu m'as dit quoi,
Ah merde, j'ai pas été nul. Oh. J'ai essayé de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Super, vas-y. Il arrête jamais. D'accord. Alors, grâce au plan d'auto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. Alors, attends, je regarde ce que ça donne, la toile de choc. Ah, ça, putain, ça avait pas mal, ça. Débloquer les nouveaux gadgets avec des jetons et des pièces trouvées en mission. Vous pouvez utiliser des jetons pour améliorer vos gadgets. Oui, oui, bon, bah, c'est bon. Hey. Et donc, ça, c'est quoi, le lanceur toile? Ah oui, ça, c'est le truc basique. Et là, on peut s'équiper de ça. On fait ou pas? Ah, alors, attends. Ouais, le problème, c'est que j'ai pu... Ah, ça, c'est rapide. Ça, c'est pas mal. Ouais, moi, je suis plus comme ça, ouais. Ouais, je prendrais plus celui-là, tu vois. Voilà. Le gadget, donc celui-là, on l'équipe. Il est déjà équipé. Technique, c'est par rapport à ça. Wow. Ça pourrait bien marcher. Ouais, attends, je peux plus changer de tenue là. Alors, oh putain, il va me laisser jouer là. J'arrive pas à lire. Donc toile de choc, il y a pas de souci. Bon, je suis obligé de faire ce qu'il me dit. Hein. Parfait, voilà. Le doc serait fier. Voilà. Est-ce que je... Voilà, tenue. Alors tu m'as dit que si par exemple je voulais celle-là. J'ai quand même le pouvoir. D'accord. Ah, oh, j'aime bien celle-là. Ça fait bizarre, mais... Ça fait bizarre, en fait, de voir ces petites fesses toutes blanches, là. Mais j'aime bien, quand même. On va essayer de choper ceux qui sont en hauteur, hein, je pense. Ça serait déjà plus sympa. Ah, j'étais un peu trop... Oh là. On va monter tout doucement, parce que je vais me faire griller. Il est là. Donc là, hop. Et voilà. C'est pas mal, ça se pratique, hein, ce petit pouvoir. Par contre... bah, y'a plus personne au-dessus, ils sont tous là, en fait. Hein. On va tataner, hein. Donc ça, c'est l'anti-venom, hein, c'est d'accord. Bon, allez, moi, je vais tataner. Au bout d'un moment. On veut de la bagarre, nous. On veut de l'action, là. Allez, les deux, ils sont là. Là, on en a un là. Et on y va. Hop là. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Hop, ça va très bien se passer. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Vas-y, viens, viens. Et hop. Ah, hop, après. Ah, mince. Oh, dis donc, ouais. Oh lolo, que c'est beau. Choper Spider-Man, le boss face. Voilà, c'est ça que je vais faire. Voilà. Oh boss. Ah ouais, c'est vrai qu'il avance pas. T'as, faut que j'arrive à lui faire ça. Ouais, franchement, là, on est bien quand même là. Hein. J'ai pas trop envie d'utiliser ça tout de suite. Oula, oula, oula. Non, non, on fait pas de furie là. Pas de patrouille, pas de patrouille. C'est quand y'a une embrouille. En voilà d'autres. Tintin, tintin, tintin. Tintin, tintin. Ah, lui par contre, ouais, je pense que lui va le prendre. Voilà. Lui c'est cadeau. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 paquets de maisons autour du chantier. Hop là, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Spider-Man, il est là. Que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement? Alors je fais le rouge, je fais le rouge.
Allez, allez, faut les niquer, faut les niquer. Oh, c'est beau. Quand même spectaculaire les combats. Franchement. Ah. Ah. Bon bah j'ai, tu vois, ça s'est bien passé hein. Ah, il y a une quatrième vague. Ah bon. une fois que vous avez la tenue se régénère. Ah je ouais. Attends, si je fais ça. Concentration pleine. Ah là, là, ouais, là c'est un. Ah j'aime bien cette tenue, hein. Tu sais, je trouve que ça fait vraiment. Bienvenue à la fête. Vénineux. Laissez vos chaussures à la porte. Vénéneux. Si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Sur le côté. Tu m'auras pas. Ouais. Hop. Oh ouais putain, franchement les combos, une fois que t'as les boutons c'est quand même bien nerveux. Qui a envie de te rendre? Personne. Hop là. Ça c'est stylé aussi hein. On va tout de suite faire la concentration. Ah j'adore, je kiffe. Ah, je vais pousser des cruts de jouissance dans pas longtemps, là, je pense. Allez. Oh, on va vite aller le chercher, lui. Eh, n'empêche, faut, c'est pas si facile que ça, hein, parce qu'il faut bien observer. Ah, merde. Il y a des priorités au niveau des personnages, quand même, à niquer, hein. Il faut bien se rappeler des. Batman c'était moins complexe en fait au niveau de. Au niveau des attaques comme ça là où fallait déloger justement les. Putain il m'a touché. Ah je m'en suis bien tiré. L'endroit est condamné capitaine. Ah mince, ah oui parce qu'en fait la tenue que j'ai là fait partie de l'histoire parce que en fait qu'est-ce que c'est quoi ça, c'est la vraie histoire de Spider-Man. On est dans la Fisk a d'autres chantiers en on est dans le cheminement de l'histoire de Spider-Man dans la vérité en fait j'ai envie de dire. On est dans le bon truc là. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect. C'est ça ou pas? C'est un petit peu ça, c'est un peu voilà, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec cette. Oui, oh, tu vas me laisser tranquille. Moi je trouve quand même il est stylé. Hein. Bon, après c'est peut-être les yeux, tu vois. Ça... Bon, ça fait plus une mouche. Hein. Les yeux ça fait plus mouche, c'est vrai. Mais. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et ça c'est. Tenue décontractée! Leurre holographique, technologie de réalité augmentée générant des leurres holographiques étourdissant les ennemis. C'est un petit peu le Spider-Man Barracuda là, quand tu vois avec les petites. Et tu m'as dit que de toute façon ça enlevait pas quoi qu'il arrive. Ah non, non, mais je veux. Ah, je peux pas. Ah, voyou. Bon, d'accord. Alors, gadget, bon, ça on l'avait vu ça de toute façon, donc je peux pas le débloquer. Voilà. Compétences. Alors, compétences, qu'est-ce qu'on peut se mettre en place? Est-ce que. Ça, si, je vais le mettre parce que ça. Ça peut être pas mal. Et technique, forcément, nouvelle technique en approche. Ok. Alors, nouvelle mission. On part par où? Si je veux trouver tous les chantiers. N'hésite pas, hein, Magic. Hein, si vraiment j'ai un petit souci. Augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. Oh putain, ils me remettent du coup un peu de compétence. Traitement 3D à des photos de bâtiments. Et de... Putain, qu'est-ce que c'est magnifique. Alors tenue du coup. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que cette tenue là? Oh, c'est pas mal ça. Armure MK2. On dirait une guêpe. Ah, j'aime pas mal, j'aime beaucoup ça. Peut-être les yeux encore. Ouais, ça fait guêpe. Donc je peux toujours pas la prendre, d'accord.
Par contre, mode de tenue, on a gagné. Ah ouais, mais de toute façon, on a gagné, mais finalement, je peux pas l'équiper non plus. Donc, je regarde pas. Ça sert à rien, je vais me dégoûter. Compétences. Ouais, je vais prendre aussi, parce que avec, je vois que les mecs avec les boucliers ou les choses comme ça, ça peut être cool. Je pense que ça peut être vraiment ça, être sympathique. Et je sais par lequel commencer. Ok. Et hop là. Oh là 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 là. Quelle souplesse, dextérité. Allez hop là, on part par ici. Alors je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé, j'ai pas constaté qu'est-ce qu'on allait faire là. En tout cas. Hop là. Moi je me fais 10 fois caca dessus. Laisse tomber, j'ai le... j'ai le vertige, mais laisse tomber quoi. Wouh, comment je change les couches culottes. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite. Bonjour Elliot. Salut à toi Elliot. Alors là on prend une photo, donc faut faire le photographe. Alors par contre j'ai pas suivi Magic. Ça fera l'affaire. Donc il y a des événements en fait, hein, c'est ça. Il y a des événements où. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. Bah j'avais super. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Si tu es bien, si tout va bien, si tu es à l'aise, c'est quand même le principal qu'il faut être en détente avec soi-même. Apprendre son corps. Prenez les photos des monuments dans toute la ville pour gagner des jetons de monuments. Ok. Et les jetons de monuments, ça va me donner quoi? Qu'est-ce que ça peut donner comme. Bon, technique, ils vont encore me dire que voilà, mais c'est ce qu'on a débloqué. Qu'est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce que ça donne comme. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête. Pardon. Oh merde. Putain, ils ont tous volé. Je passerai. Excellent. À bientôt alors. Ok. C'est une kinoton. Simon, c'est une kinoton. Alors, pour ceux qui connaissent, je sais pas si vous connaissez ces petites phrases que je viens de dire là, sincèrement. C'était dans le film La Cité de la. Eh, il faut suivre là, hein. Ah, c'est pour les tenues. Ouais, mais. Ah, des jetons monuments aussi, c'est pour les. D'accord, ok. Putain, j'ai pas. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la petite dame là? Donc, c'est tout, faut que j'aille au pylône? Bon. Oh, y a bien des voyous dans le coin quand même. Il y a bien du sang et du crime. Tiens, il y a un point rouge là. Allez, on passe à. Ah mais il s'est barré. Putain, le mec il m'a pas laissé le temps d'arriver. Alors, est-ce qu'on peut. Oui. J'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Ah, génial. L'essayage du première classe Texidor se passe bien demain. Ça devrait. D'accord. Super. C'est fantastique, Doc. Ah, les attends, du coup, hop là. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire, tu seras à l'essayage demain. Quelle musculature. Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Je suis beau. Si on ne déclenche pas de cataclysme. Oui. Formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Les annales, hein. On m'a. Parce que si on marque les annales. C'est bien qu'on est en train de botter les fesses quand même, hein. Ça fait babo. Hein. Bon, et. Joyeux anniversaire. Allez au refuge. Salut Peter. Ah, ça y est, c'est par là-bas. On attend plus que toi. Cool, je me mets en route. Putain, qu'est-ce que ça bouge quand même. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que. Regardez cette faune, cette flore, les animaux, la nature. Et non. Les immeubles, les voitures. La pollution. La chute de cheveux. Spider-Land est là pour garantir un cuir chevelu exemplaire, sans pellicule, sans poux, sans lente, sans rien. Regardez-moi ça. Oui. Je recommence avec ma pizza. Ah, parce que je vois que vous m'avez. J'étais en pleine mission et qu'on a un petit peu oublié cette pizza qui était bien chaude. Crème fraîche, pommes de terre, lardons, reblochons, hein, qui est en train de titiller un petit peu tout le monde là. Putain, même le parc pour les enfants, qu'est-ce que c'était beau! C'est beau! Ah, j'ai pas la deuxième. J'ai pas la deuxième toile. Allez, on passe par ici. Hop là. Oui!
Union, GPS. C'est où? Ouais, forcément, on sait pas. Alors, attends. Et... oh là! Oh, c'est beau! Oh la vache! Oh putain! Ah là là! Oh, il l'a eu! Oh là là! De toute façon, j'ai toujours cru en toi, Nadal. Alors, on passe par là. Eh non, mais tu vois, mine de rien! Hein? T'étais parti. Ah, t'étais parti. Et là, quand on reparle de manger, hein, t'es revenu, Z. Hein. Ah oui. Eh bien que là, je suis même en train de penser, tu sais, à un petit truc asiatique là. Eh, des nouilles sautées au bœuf. Oh. Avec ou des nouilles au sautées au saté, je crois, un truc comme ça. Pas saké, hein, saté. Nouilles sautées. Enfin, truc thaïlandais en fait, le truc thaïlandais là. Oh, oh là 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 là, c'est en train de m'exciter, bon, ça aussi. Où j'ai mis mon sac? Ah ouais. Oh là 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 là, avec des petites brochettes de poulet au caramel là. Les c'est quoi, c'est des makitori, non, un truc comme ça. Ah, c'est pas pour les enfants là. D'accord. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Oh là là, avec ce petit caramel qui dégouline. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toujours en laisse et surtout jamais. Peter. D'accord. Les gens... Salut, voir. La partie se passe bien? À ton avis, je gagne, bien sûr. Il commence à devenir sénile. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas suivi. Il faut arrêter de parler de bouffe. Hein. Ah, vous êtes embêtant avec ça. Peter, comment ça va? Non, je fais que passer. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut que j'aille voir qui. Il y avait quelqu'un là? Parce que... Ah bah oui, voilà. C'est à Martin Lee. Ok. Ah, Martin, désolé pour le retard. Je maintiens mon andouillette, hein. Ma petite andouillette frite avec petite sauce au poivre, là, ça est en train de m'exciter quand même. Hein. Ouh là 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 là. Hey, mais c'est ma tombe préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, et il y a des boîtes très lourdes. Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour. J'avais seulement besoin de parler. J'avais seulement besoin de capote. D'accord. Très bien. Bah, écoute... Ah oui, parce qu'on a toujours pas vu sa copine là finalement. Marie-Rose, non? C'est pas un truc comme ça que ça s'appelait? Marie-Rose? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer. Marie-Rose, mais... Julie-Laure? Comment ça s'appelait? Comment s'appelait sa copine? De Caire, c'est ça. Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche. Oh, j'arrive plus à me rappeler comment elle s'appelait, cette petite dame là. Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Non? C'est pas ça? Comment ça s'appelle? Que se passe-t-il? Pourtant j'ai vu quand même Homecoming. Dis-moi et puis tout. Un autre, je sais plus comment ça s'appelle. Marie Jane, bien joué, Marie Jeanne. Toutes ces dernières années. Voilà. Tu m'as aidé dans mes études. Voilà, 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 voilà. Marie Jeanne, faut que je pense à la White Widow, à la Skunk, tout ça, toi, ça me fait tout de suite parler de la. Voilà, Marie Jeanne, Marie Jane. Marie Jane. La tante de Spider, elle est vachement mieux dans les films. Il y a 5 ans, vous êtes elle est pas moche, là, dis donc. Admiré ma détermination. Qu'est-ce que t'en penses? Elle a un beau petit teint quand même. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. Elle a fait une petite coupe abricot, là. Je trouve que c'est super sympathique. Petit dégradé sur le côté. Ah, dis donc, moi, je trouve qu'elle est quand même mignonne. Hein. Enfin, mignonne, attends. C'est une belle dame. On parle d'une belle femme, quand même. Bon, par contre, le gâteau peut me donner faim. Hein. Un petit gâteau comme ça, tu sais, avec un petit imbibé de rhum, tu vois. Pas le principe du baba rhum, mais un peu le même truc. Tout le monde. Ça doit pas être mauvais non plus. On n'est pas là pour inciter à boire, pour mais avec le maire. On est sur une petite pâte sucrée au début, là, au démarrage, avec une belle structure qui a bien été aérée. On sent que ça a été bien cuit. Non, elle est pas ouf. Non, mais je suis d'accord quand même. Non, mais elle est pas ouf. Non, mais il y a des cougars qui sont quand même plus ouf. Non, elle est pas ouf. Mais c'est quand même une belle femme, il y a plus moche quand même. On peut pas dire que là pour le jeu, soit. Hein. Il y a quand même une petite mamie quoi, une petite mamie qui est toute mignonne, toute gentille quoi, je trouve. Alors par contre, j'ai pas suivi du tout. Alors en fait, c'est quoi? C'est un centre social ici, c'est ça? C'est une association, non? C'est un truc comme ça? Alors, est-ce qu'on peut sortir?
Tout à fait, on peut sortir. Alors, j'ai. Je suppose qu'il va se. Donc, du coup, parce qu'il y a le papy n'est pas encore mort. Si c'est vraiment l'histoire Spider-Man. Hein? C'est un petit peu plus loin dans l'histoire, je pense. Bah, il est beau quand même. Qu'est-ce qu'il est beau avec sa tenue cuir là. Ça fait. Regarde ça un petit peu maso là. Oui, je vais te fouetter. Alors. On touche avec les yeux. Ah, on touche avec les yeux et pas avec ça. Se déroule la vente des biens de fisc. Vous pouvez jeter un œil discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Allez, on y va, c'est parti. Génial. Je me demandais ce que Kingpin cachait dans ses placards. Bah, je pensais qu'on lui avait réglé un petit peu son compte à Fiscounet là. Allez, on y va. Putain que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Et on y est, on verra même pas. Attends, arrête-toi là. Attends, stop. Grimpe. Attends, je regarde juste. Regarde quand même le truc. Eh mais tu sais. Et en plus, c'est quand même bien fait. Hein. Parce que tu vois, autant dans GTA, il t'arnaque à faire des vieilles lumières, des vieux trucs, mais là, t'as l'impression que la pièce est créée, quoi. Ouais, c'est vraiment très sympa. Hein. Bon, on n'a pas vu de personne sous la douche, mais quand même très sympa, non, c'est bon. Ouais, j'ai vu filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tu comptais pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, tante May. Oh, un petit rôti aussi là, qu'est-ce que ça m'excite très bien ça. Un petit rôti avec une petite sauce à la viande, avec des petits champignons, des patates cuites, tu sais, normal, hein, les grosses patates comme ça là, dauphine là. Oh là là là, la saucisse, elle est pas tombée ça. Je sais pas quoi te dire. Ah bah j'ai faim. Je sais ce que je vais te dire, j'ai faim. Merde, putain. Du coup, je tournais la tête, pardon, excusez-moi. Je t'aime. Moi aussi. Alors la face aplatie. Mais c'est vrai qu'une petite entrecôte, je valide quand même, une petite entrecôte comme ça là. Vache. Ou un petit steak de cheval, hein. Je suis désolé de dire le terme, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé. Ah, attends, le parc, alors le parc. Y a-t-il des gens qui se cachent derrière les fourrages, qui se touchent le kiki? Y a personne. Y a-t-il des péripatéticiennes qui sont dans le coin, hein? Parce que moi ça commence à me gonfler ça, hein. La forêt, c'est pas pour faire caquette, hein. Ah oui, bien sûr, t'as raison, Elliot. Non, mais je te t'as entièrement raison, hein, là-dessus, y a pas de souci. On nous signale une attaque à main armée. Ah. Besoin d'un agent sur place. Ah ah. Demandez à Central Park. Et les hop. Les liens ne s'arrêtent jamais. Je suis là. C'est où? C'est où? Ah, c'est toi. Oh, il faut pas avoir peur. Attention, c'est lui. Alors, regarde. Hop, toi, uppercut. Hop, 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 hop. Oh là 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 là, ça sort tout seul. Oh, je jouis. Uppercut aussi. Et toi, le dernier. Hop là, boum. Oh, putain, les vertèbres. Hernie, alors là, je veux dire. Ah, t'es pas bien. T'es pas bien, t'es pas bien. T'es... Voilà, donc, on a vu. Pas de zizi à l'air, hein. Je reviens, ça va faire mal, hein. Allez. Non, c'est quand même répugnant, la forêt, tu veux même plus te promener quoi, et ils sont tous là, en train de squatter partout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'elle a dit? Faut passer par derrière? Et ça, c'est pas l'habitude de la maison. Hein. Ok. Bon. Allez, on monte. On sait que tu sais faire des saltos! Voilà. Ah, faut aller sur le tour en fait, hein, tout simplement, je pense. Non? La cible, elle est. Ouais, bah c'était ça en fait, d'accord, ok. Non, qu'est-ce que tu fais, Spazou? Nom de Dieu! Mais nom de Dieu! Voilà, hop, on arrive à la trappe. Alors. Et en plus, tenue néon. À moi tout seul, je vais faire toute la lumière de cette résidence, ça va être Versailles. Oh là là, filet mignon au Neuchâtel. Alors Neuchâtel, explique-nous Z ce que c'est. Élabore tout ça, vas-y, détaille tout ça, donne-nous faim, donne-nous la rage, donne-nous cette en train de baver là comme ça, toi cette petite, tu vois. Ah putain, il est encore là, fisc, hein. Patience. Oh. Ah non. Hey, le
dossier. Alors qui est lui? C'est qui comme méchant ce monsieur là? Elle a dû le prendre. C'est masque. Magic, c'est qui lui? C'est toujours Fisk ou ça fait toujours... Elliot, ils font toujours partie des méchants? Enfin, de Fisk? Nous trouverons le dossier. Parce qu'il me fait... Il met son... Ouais, mais c'est un truc à la... À la samouraï, ça, à la japonaise. Ah, d'accord. L'alarme silencieuse se confirme. Alors, ok, d'accord, c'est un fromage. Et non, c'est plus Fisk. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. C'est l'ennemi à Fisk. Ah, il parle en japonais, hein. Son go no soma seta ga shande gesende. Ashi ga sundo sono masana sene karara. Asha dando ga zandade. Naruto zumaki. Hop là. Alors, on va regarder un petit peu. Poup, poup. Donc, on a dit qu'on pouvait passer par le dar. Alors, on reste discret. Alors, normalement... Pas alerter les autres. Non, regarde. Ah, pourquoi? Pourquoi tu veux que je pointe le sol? Il est con ou quoi là? J'ai pas compris. Lancer l'étoile sur les surfaces et les objets pour attirer les ennemis. D'accord. Alors peut-être que je vire ça finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un point où je la mets ma toile ou la toile je vais te la mettre dans les fesses parce que là. Pour viser le point. Bon, et laisse-moi tranquille. Je vais aller le niquer moi parce que j'ai pas de. Ah, il veut pas? Pour viser le point au sol. Putain, il se fout de ma gueule. À part là. Ah ouais, alors. Ah oui. Monsieur demandait de la précision. Hein. Comment ça fonctionne? Putain, j'appuie sur tous les boutons là. Je vais la péter la manette. Mais non, il. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu dois viser au-dessous de toi. Putain, heureusement que t'es là, toi. Ah ben ouais, mais... Ah, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, le petit Elliot. Hein. Je vais te dire que là, il m'a fait plaisir. Hein. Là, je cherchais la complication. Je sais pas, je comprenais pas pourquoi. Voilà. Très bien. Putain, ils sont aussi... C'est pour ça que c'est génial, cette petite communauté-là. Alors, du coup... du coup, okay. Bon, c'est pareil. Vu que ces types ne cherchent pas à s'emparer du territoire du Kingpin. Oui. J'espérais au moins avoir un week-end de libre. Oui, mais tu vas l'avoir ton week-end de libre. Juste tu montes, tu m'emmerdes pas, tu montes, on fait triangle et ça se passe bien. Voilà, hein. Alors. Spider Willis. Nous, ce qu'on veut, c'est de la bagarre. Hein. Piégé d'en haut. Hop là. Oh, doucement. Alors lui il est là, posez-vous derrière un ennemi pour laisser une élimination discrète. Ouais, je suis pas sûr que ce soit tellement discret quand même. Le mec il t'a pété une rotule. Quelqu'un approche. Ils vont me voir ici. Eh bah... On se met là et puis c'est tout, hein. Oh là là. Tiens d'ailleurs, on va remonter, on va repartir. Oh, j'aime pas trop cette discrétion là, j'aimerais bien qu'on aille tataner un peu là. Hein? C'est sûrement elle qui a le dossier. Mais oui, oui. Oh oh oh, oh. Alors là par contre attention, hein. Alors, si vous attaquez un ennemi avec un icône de danger, vous serez prêt à passer aux alentours. Ok, 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 ok. Donc, ok, super, c'est génial. Vous pouvez attirer les ennemis en lançant une étoile. Ça, c'est ce qu'il voilà, ce qui expliquait tout à l'heure. Donc, R3, diversion. Donc, ça serait ça, en fait. Hein. Voilà. Tout simplement. Hop! Et zoup! Et hop! Son nous ouvre que c'est dans son agenda. Pikisan Kasanto Denda Sabagada! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah ça, c'est un appareil photo! Mais ça. Et on dirait une mouche quand même. Ça, ça fait un peu mouche, hein. Mon mais pote, il est quand même beau ce costume. J'avais ça fait un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça.
Ah, mignonne comme tout. Elle est toute jolie. MJ. Elle est mignonne comme tout, et alors. Même chose que toi. Je travaille, enfin. C'est Mary Jane, hein. NJ, Mary Jane. Oh, je crois que c'est à toi. Oui. On est sur ça, hein. Merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle ? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Alors, moi je la préfère dans les films. Je la préfère. Enfin, j'aimais bien l'actrice en fait qui était dans le. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette actrice. Attends, je vais regarder. Comment s'appelait cette actrice Je peux vous aider. Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Ouah. Eh bien, je suis désolée. Mais vous allez devoir venir. Kirsten Dunst. Très bien, je comprends. Excusez-moi. J'adorais cette actrice. Enfin, j'en fais pas non plus un événement, mais je veux dire que voilà, Craig. Elle est quand même. Elle était dans son rôle. Non, désolée, mais. Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste ? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr ? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Ah, elle est mignonne aussi, hein, la petite dame là. Craig ? Un petit peu Sri Lankaise indienne là. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup ça aussi, hein. Très bien, allons-y. Ils ont bien réussi les visages, hein, ils ont bien réussi tout ça quand même, hein, c'est. Alors, donc là, prenez on part. Le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. Avec les armures de Budoshi. Je suis quand même bluffé, hein, parce que graphiquement, j'ai même envie de dire que c'est plus joli que Batman. J'ai jamais été fan des héros qui portent des masques. Je dirais qu'il est plus joli que Batman. Que ça soit le Arkham City, Arkham Asylum, Origin et le Arkham Knight. Moi, c'est le genre de héros que je voudrais être. Je trouve que c'est vraiment une réussite, beaucoup plus sympa. Ah, les sabres. Ouais, ça, ouais. Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin. Je sais pas, qui a fini Arkham... Arkham Knight, c'est le dernier. On peut parler aux infos. Avec la Batmobile, ça m'a gonflé. C'est le seul point noir que j'ai vraiment pas apprécié, c'est que du coup, on s'en sert jamais de la Batmobile, ou des fois on s'en sert justement parce qu'on n'a pas le choix. Et pour moi, c'était plus contraignant qu'autre chose, en fait. Même si j'ai adoré l'histoire, mais pour moi, ça a été le moins bien, tu vois. La Batmobile m'a un peu dérangé. Voilà l'ancêtre des journalistes d'investigation. Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa ? Alors, peinture sur soie du 19e siècle. C'est magnifique. Donc, c'est génial. Ah, une partie de moi voudrait tout plaquer et parcourir le monde. Ah, mais ça, t'es pas toute seule, hein. Ah, t'es pas tout toute seule, ma chérie. Hein. Alors. Oui, ça, c'est très connu, ça. C'est un Mifune ? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation ? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Ah oui, donc on est parti au fond du musée pour revenir sur le début. Ok, d'accord. Ok. Alors, il n'y a pas de Pokémon ici. Hein. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Mm-hmm. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Bon. Il aimait la dualité. Hop. La destruction est bruyante. Ah, c'est vrai que c'est beau quand même. La création œuvre en silence. Quand vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? C'est très pur. Hein. Non ? Non ? Bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Ah, ce soir, c'est jeu de détective, hein. Regardez les fines incrustations Zed. Dorées de ça marche. Son service à terre rituel. Bon, c'est un petit jeu de détective. Que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des. Oui, il va falloir vraiment non, tout faire. Là, on n'est pas pris, hein, comme je disais. Il n'y a même pas de narration, il n'y a rien. Normalement, on arrive, il y a des meurtres, il faut tout élucider. Hein. Si vous aviez noté des choses. Et peut-être Days Gone, c'est possible, c'est probable. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut. Comme mon ami du bureau du procureur a su que je. Et il faut qu'on se finisse The Council aussi. Et puis Red Dead Redemption 2. Juste la photo, d'accord. Mettez-vous là. Et Forza Motorsport. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire. Enfin, tu sais que tu connais la maison, hein. Au sujet des activités de Fisk. Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce. Ah. C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Bon.
Waouh, je reconnais cette statue. Ouais, ah, on peut la photographier. D'accord, ça marche. C'est bon. Craig, je te rappelle. On est très dans un univers Mortal Kombat d'ailleurs. Là, quand tu vois la statuette et tout, t'as l'impression que t'es sur un design de la Goro et tout là. Je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est. Faut que je reprenne Mortal Kombat d'ailleurs aussi, là, le dernier, là, alors. En effet, et c'est la dernière fois. J'ai pas assez de bras. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr, je me dépêche. C'est sur la gauche, elle a dit. C'est lui qui va à droite. À gauche. Alors, j'aime pas trop son jean, hein. Je constate, j'aime pas trop le pull vert non. Enfin le dessous vert qu'elle a en dessous son jacket en cuir. J'aime pas trop le comment est-ce qu'elle s'est habillée la petite pépette là. Tiens, salut Craig, c'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Ah, on s'est fait griller. Non, elle est ici. Ah ouais, on s'est fait griller. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Alors, est-ce que. Oui, c'est bon, je connais. Si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Attends, on va rester là parce que ça, c'est voilà, la trappe. Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Ah, ça déchire. Eh bien, je vais on peut passer ou pas? Par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Oh putain, j'ai eu chaud. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Voilà. Ah, oui, alors. C'est très clairement une menace. Ah, j'aurais dû rester ici, comme ça je tournais autour du bar. Ah. Vas-y, décampe. Tourne la tête. C'est ça. Voilà. Hop. Je ne te crois pas. Voilà, ça passe. Allez, 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 allez. Bah, ferme pas la porte, hein. Putain, la discrétion de ouf, hein. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pas mal, ça, hein. La police l'a pas pris. Putain, il a un abdo. Je sais que cette statue s'ouvre. Il a même pas de nombril. Bah, dans le nombril, d'ailleurs, justement. On dirait une plante à la Stranger Things. Je me demande s'il y a des... C'est le Nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Pourquoi est-ce qu'il... Parce qu'il lève la main. Ah putain, j'ai pas regardé. Je pense pas que c'est ça qu'ils vont me... Si, c'est ça, il lève la main, non? Ouais, la main gauche. C'est la main gauche, ma petite pépette. Faut soulever la main gauche, comment on fait? J'ai compris. La main droite. Ouais, alors gauche quand tu me regardes et la main droite quand on est là. Bon. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Gauche alors. Fermée, bras gauche en bas. Face, en haut à droite. Droite en avant. Ok. Non, c'est bon, laisse-moi tranquille, je sais comment on fait. Donc la main droite, on la bouge. Ah bah remarque, elle est toujours comme ça. Peut-être que ces trucs bougent. Ah ouais, alors t'as voulu faire le mariole. Regarde bien là, les mains. Parce que... Oh putain. Main ouverte. Main ouverte. Et là, la main est fermée ici. Le catalogue ici. Deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Oui, mais là. Oh là là, j'ai pas assez regardé. T'as assez ça de faire tout vite là. Ah. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il tient quelque chose. Ok, paume et il tient son truc. Donc, main ouverte, paume en bas. Alors, déjà, y a-t-il un objet que je peux prendre? C'est ça. Je peux pas prendre. On peut pas prendre. Bon. Alors. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée. Voilà, et ça, comme ça. Voilà, par contre ici, il me fallait une arme. Voilà. Si je regarde le catalogue, c'est ça. Et par contre, comment je peux choper l'arme?
Elle a l'air à l'aise avec Fisk. On s'en fout en fait, hein. C'est pas lui qui va m'apprendre grand chose. Là non. Est-ce qu'il... catalogue mentionné deux pauses. Bouche fermée. Attends, si j'aurais fait ça, ça donne gauche en bas. Paume droite en avant. Voilà. Parce que ça, c'était le truc de démarrage, ça. Tout en haut, tout en bas. Il y a quelque chose dans la main. Qu'est-ce que c'est ? Mais attends, tu te fous de ma tronche ou quoi ? Depuis tout à l'heure, je te dis qu'il faut aller choper ça, là. Ah oui, alors attends, parce que ça se trouve, faut que je fasse ça. Ça. Il tient quelque chose. Ça. Donc là, il tient quelque chose, on est bien d'accord, t'as bien compris. Donc, et pourquoi ça ? Que ça ? Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Voilà, parce que soit c'était comme ça. Et dans ces cas-là, est-ce que je pouvais ouvrir l'arme ? Peut-être comme ça en fait, c'est peut-être ça le truc, non ? Même pas, putain. Au bas. Au bas, t'es d'accord. Catalogue, je peux plus le bouger ça. Ça va redescendre. Fermée. Et la main on peut pas. Ah la tête. Ah c'est peut-être ça que j'ai zappé, la tête. Bon, il regardait à droite. D'accord. Ah c'est peut-être la tête que j'avais foiré alors. Ok. Catalogue mentionné deux poses. Bouche fermée. Voilà, et ça en bas. Paume droite en avant. Voilà. Et la tête, elle reste comme ça. Il n'y a pas de jambes, ça va, c'est bon. Donc maintenant, on peut pas me dire que c'est une connerie là. Il y a quelque chose dans la main. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'énerves à me dire ça là, qu'est-ce que c'est ? Parce que tu sais très bien que c'est à côté. Ah, ça ressemble exactement à ce qu'on vient de faire, hein. Pourquoi j'arrive pas à le choper ça? Mais c'est dingue! Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bon, je vais reprendre la pause. Je vais reprendre la pause de départ. On va recommencer la pause de départ. Le catalogue mentionnait deux pauses. Bouche fermée. Oui, c'est bon. Trois poules, je suis en train de dire ça là. Voilà, et ça, c'était en bas. Ça, c'était la pause de démarrage. Ça, c'est la pause de démarrage, ça. Ça, c'est bon, ça, je l'ai compris, ça. Après, regarde à droite. Le bras en bas. La main. Mais je peux pas avoir accès à ces saloperies d'armes. Il regarde à droite, paume en haut. Ouais, d'accord. Ça... D'accord, donc le tableau il le dit bien. C'est pareil. Donc. Le catalogue mentionnait deux poses. Ça, 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 gauche en bas. Ça. Paume droite en avant. Ok. Donc je pense qu'il faut lui mettre une arme. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lui mettre l'arme dans les mains ?
Attends, il n'y a pas 36 boutons, je peux pas faire que 40 000 actions là, c'est quoi ce truc là là? Magic Il s'est engueulé. Comment ça se fait que je peux pas agir là? Bah là, la solution. Puisque j'ai bien fait ça, mais j'arrive pas à prendre l'arme qu'il a dans les mains. On peut tourner les pages là ou pas? Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bouche fermée, bras gauche en bas. Me dis pas que je peux. Faut que je ferme sa bouche. Ah si, il a la bouche ouverte. Ah, attends. Catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas. Mais comment je fais pour fermer sa bouche? Ah putain. Peut-être qu'en tournant sa tête. Bah voilà. Oh, mais c'était sa bouche. Mais il manque quelque chose. J'ai bah voilà. Ah, c'était la bouche. Merci de m'avoir aidé, hein. Super. Voilà. Ça ne va pas. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas? Bah si, tu l'as tout de suite. Oh putain, qu'est-ce qui va pas encore? Ça va, mais c'est pas ça. Ah, qu'est-ce qui va pas? Alors, allez, c'est reparti. À la main, les pivotes. Non, la main est dans le bon sens. Alors attends, la main est dans le bon sens. Et la paume de la main gauche est bien ouverte. Non. Ah, première pause. Alors, première pause. Ça va, mais c'est pas ça. Ouais, alors tu arrêtes de jouer avec cet instrument, s'il te plaît. Ah, je peux plus. En fait, je suis obligé de me coltiner ça. Alors, attends. Je remets l'instrument. Ah, ou c'était peut-être lui, en fait. Non. Bon, attends, tu me dis que je recommence la première pause. Ah non, je peux pas. Ah, je peux. Non, je peux plus le bouger. Donc, c'est bien ça. C'est bien l'arme. Oui. Il regarde à droite, les yeux fermés, la paume. Ce que tu as fait, c'est pour ouvrir la main. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais non. De toute façon, regarde, je peux rien faire. Tu vois, je peux pas agir. Donc, j'ai obligé de récupérer ça. Enfin, je pense qu'il n'y a que ça à récupérer. Ah non, on peut prendre ça aussi. Tiens, je vais prendre ça. Tiens, les pics là. Vas-y, on le prend, on le prend. On va lui donner ça, il va se faire content. C'est peut-être ça en fait, hein. J'ai peut-être vu trop grand. Hein. Voilà. Ah, c'était ça en fait. Ah oui. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Oula. Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. Bim. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. Ouh, elle en a bien plein dans... Ouh, ils sont énervés. J'allais rejoindre la sortie. Ah voilà, je t'ai vu. D'accord. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre.
Ça me va. C'est bon. Bisous. De te revoir. Bisous. Ouais, toi aussi. Mais c'est oui. pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. Oui, mais t'en fais c'est pas. C'est drôle. De toute façon, tu peux rien faire avec ton c'est costume. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Il te certainement le... Hein, voilà. Est-ce que... Elle a changé de parfum ? C'est pas le moment, Peter. Bon. Alors... On peut sauvegarder. Eh ben, je fais ma petite sauvegarde manuelle, les loulous. Et je vais vous abandonner. Parce qu'il est l'heure d'aller. Et là, avec tout ce qu'on a dit depuis le démarrage, je pense que je vais aller faire... Ben, je vais aller manger. Hein ? Voilà, tout simplement. Vous aussi, je vais vous laisser manger. Hein ? D'accord ? Bon, ben, merci hein, d'être venu. Merci d'être passé. Magic, je te dis à ce soir pour cette enquête trépidante. Ou peut-être tout à l'heure. Je vais peut-être revenir tout à l'heure. Certainement pas avec Spider-Man. Je sais pas si je vais repartir sur un Forza ou un... Je sais pas. On verra bien. Ce sera la surprise. Faut même que je teste Dirt Rally, d'ailleurs. Le Dirt Rally qui m'a l'air d'être assez... compliqué. Ouais, mais Horizon, je l'ai... Ah oui, c'est vrai. Ah, mais je te devais une partie, d'ailleurs, à toi. Et oui, c'est vrai, je me souviens bien. C'est vrai. On avait parlé de ça. Et, bah, écoute, je vois. Je verrai après si on... Je peux engager ça ou si je pars sur un autre truc solo. Mais ne t'en fais pas, j'ai bien compris. On va jouer ensemble. Chose promis. Chose due. Je vais le faire. En tout cas, je souhaite un bon repas. Bon appétit. Et no, sorry, I'm little speak English, I'm French. Sorry. Donc voilà, Magic, je te fais des bibis, puis si je te vois pas tout à l'heure, je te vois ce soir avec ton calepin, tes feuilles, tout le stylo, quatre couleurs, et puis on est parti pour faire de l'enquête. Mais voilà, on verra bien. Bon appétit à toi, Magic. Ciao.